Yup tout le monde, intro avant intro, tu connais la chanson, désolé pour la vidéo, il y aura des légers bugs, voilà, j'ai essayé de rectifier, faire des petites coupures pour pas que ça gêne trop, mais je pense que c'est un petit peu flagrant, donc voilà, il y a des petits bugs, je m'excuse d'avance, évitez les commentaires, ouais, il y a des bugs, je le sais, on le sait, hein, tous ensemble, ça arrête de le mettre dans les commentaires, allez, merci, tu n'es pas un gamin, comme la vidéo précédente, et tu ne vas pas le mettre en commentaire. Bon allez, en tout cas, bon visionnage les gars, et puis rigolez bien. Allez, ciao. Yo tout le monde, c'est Wesh92, j'espère que vous allez bien. Play your tu connais pas quoi? Bah yo tout le monde, c'est Mizuka. On est là pour le ANO Raibaru. Un tuto? C'est pas vrai. Oui, c'est quoi tout ça? Bah c'est ce qu'on leur réserve. À qui? Bah aux abonnés. Je rayonne. Mais non, mais c'est dégueulasse. Boum, la revanche de ces invocations. Je me suis défoulé, je vous ai dit, ça m'a énervé, donc j'ai payé, voilà. Ils ont gagné, Dokkan. Là, il y a un duel qui s'est fait entre moi et eux. Ils ont gagné, tout simplement. Donc là, on va faire accueil. On va pas perdre de temps, invocation. En fait, je vais sûrement faire deux vidéos, tu vois. Donc t'as la première vidéo, et je vais noter sûrement la revanche de Wesh92, un truc comme ça, contre Dokkan Buckle. Je sais, Dokkan Buckle, hein, carrément, parce que je me suis fait bâcler. Non, je me suis fait tacler, là je suis désolé. Donc là, ce qu'on va faire, écoutez bien ce qu'on va faire. Je vais faire une multi-invoque de 50, et puis que des 5. J'ai 96 pierres, voilà, je les ai achetées, c'était une promo. Elle était intéressante d'ailleurs, je vais le dire. Et je l'ai pris, donc voilà, ça me saoule. Il faut que je vous le dise encore une fois ou c'était bon? Ça me saoule, j'ai eu deux SSR. Bon, un qui, j'avoue, m'intéresse, que j'aime bien, c'est Goten. Mais l'autre, je m'en fous complètement. Et franchement, je m'en fous complètement. Donc, c'est parti. Le poissard du monde entier, il est parti pour 50 pierres dragons. On va appeler cette vidéo la revanche de Wesh92. La revanche du poissard. Ah oui, c'est vrai. Bah ouais, c'est vrai. C'est vrai, je dois trier toutes les merdes que j'ai reçues. Ah, je suis désolé, les gars. Je suis désolé. Je vous ai dit, hein, y a une limite. Regardez. Il y a une limite à la poisse. Cette limite, je l'ai toujours pas atteinte. C'est un truc de ouf. Oui, on s'en fout. Putain, le combat Saiyan 3 contre Videl, quoi. Bon, je suis à 139 sur 140. On va déjà commencer par une petite multi-invocation. Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que je vais avoir... Ouais, je suis obligé de crier. Peut-être que je vais avoir... Kaioken x10. Son victime. Bah, on sait pas. On sait pas. Peut-être que là, maintenant, au moment où je vous parle, peut-être que... Peut-être que tu... Chut. Tu entends? Victime. Il s'est mis en Saiyan, l'enfoiré. Ah, mais Saiyan égale pas de bye-bye, les gars. Pas de bye-bye, les gars, égale pas de... Tu vois. Victime. On dirait que lui, je l'ai pas eu assez, tu vois. On dirait que lui, il veut rester avec moi. Victime. Ah, oh, je crois que les gars, franchement, je vais arrêter les multi-invocations parce que, un, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Victime. Je farme comme un porc pour avoir de la merde. Victime. Je viens de payer 17 euros pour ça. Victime. 17 euros. Victime. 17 victimes, victimes, 17 euros, victimes, 17 euros, quoi. Victimes, incroyable. Non, il y a un SR qui va sauter. Il y a un SR dans toutes ces merdes qui va sauter. Il y a un SR qui va sauter. Tu sautes, je m'en fous, tu sautes. J'ai vu... Non, j'arrête les 50. Les 50, c'est du foutage de gueule. Je vais faire des 5. J'ai vu, en fait, d'autres personnes, des screens, qui ont eu des Kaioken x10, des Vegeta Super Saiyan 3 puissance. Et je me dis, ouais, pourquoi pas moi, quoi. Je veux dire, les autres, ils l'ont et moi, je l'aurais pas. Non, j'essaye, tu vois, on tente le coup, on voit ce que ça donne. Maintenant, voilà, moi et ma poisse, voilà, quoi. On est mal barré, attention. On parle du loup. Oh là là. Quand on parle du loup... Vegeta, ben je parlais de Vegeta. Mais attendez, parce que dans 2 secondes, je vais parler de Kaioken x10. Ça fait plaisir, une invocation à 5. Ça fait plaisir. Regardez ce qu'on va faire. Regardez bien ce qu'on va faire.
Je suis un joueur, moi. Oui, je vais faire tomber mon casque. Je vais invoquer. Et je vais bouger. Je vais bouger de ma chambre. Donc, je vais attendre que ça invoque, tu vois. Ah, attends. Je vais rester loin, je vais revenir. On va appeler ça l'invocation de la chance qui tue. Voilà. Donc, normalement, tu m'entends de très loin. Voilà. Je vais faire la technique, toi-même, tu sais. Je dégage. Il s'est mis en saillade, l'enculé. Je l'ai vu. Encore lui ? Oh purée. Tu vois ? Ça sert à rien ce que je fais. Ça sert à rien. Ils vont me le refourguer encore et encore. Invocation. Donnez-moi le Kaioken x10, s'il vous plaît. Bon. Te mets pas en Saiyan. S'il te plaît. Bye bye les gars, s'il te plaît. Regarde, mais elle tape des pauses en plus. Mais toi tu vas voler, mais elle le sait pas encore. Invocation, let's go. Moi j'ai pas le temps. Non, j'arrête les conneries, de je sors. J'ai pas envie. J'ai envie de voir. Hercule, pas de comète. Il s'est mis en Saiyan. Oh bordel. Allez, un petit CCR, s'il te plaît. Tu sais, quand t'as pas l'écran qui devient rouge, tes yeux, ils... tu te dis, attends, peut-être que ça va devenir rouge. Allez, encore. Allez, s'il te plaît. Hercule, pas de comète. Ça pue. Mais un arc-en-ciel, super Saiyan. Ouais. Le petit Kaioken x10, est-ce qu'il va sortir? Oh mon dieu. Dis rien, on va rien dire. Allez, une comète. Ça veut dire quoi ça? Ouh, pas de Saiyan. S'il te plaît. Oh mon dieu, mais elle fait chier, elle est partout. Tu fais chier, bordel. Toi et ton mari, vous faites chier. Oh, bordel. Bon. Il y a tout qui me fait chier en ce moment. Regardez-moi toute cette race là. Cette race de Freezer. Vous faites chier, ben, faut le dire, vous faites chier. Vous faites vraiment chier la race de Freezer. Qui sait, peut-être que l'ultime... Que dis-je? Peut-être que... Kaioken est là. Il ne s'est pas mis en Saiyan, s'il te plaît. Mais toi, hein? Bye bye les gars. Regarde, oh mon dieu. On dirait un boulanger. Plus que deux invocations les gars. Vais-je être sauvé par ce dieu d'Okan de comète? Ce dieu d'Okan qui parfois, tu vois, joue un petit peu avec mon corps. On va pas se le cacher, pas de Super Saiyan, peut-être un bye bye les gars. Et non. Encore toi? Ah non, ton frère. Bon, on va terminer en beauté, hein. Moi, je dis, personnellement, moi, je dis Krilin. Je sais pas. Mais Krilin avec des veuches, tu vois. Pas le Krilin sans veuches. Tu vois, pas la boule de cristal. Le vrai. Moi, je dis Krilin avec des veuches. Personnellement, je... Tu vois, pour la cerise sur le gâteau, sans jeu de mots avec son crâne, vraiment, moi, je dis Krilin SR. Voilà. Allez, faites vos jeux. Krilin SR. Ah bah on était pas loin. De la merde. Comme si j'étais pas habitué. Bordel, oh ce jeu. Zéro, est-ce que tu vois ce zéro? Oh mon dieu. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb and the shape of an L on her forehead.